Je suis au Social Selling Forum Bordeaux, ça a bien commencé ce matin. Regardez, c'est Philippe qui parle. Philippe, qu'est-ce que tu racontes en ce moment dans ta clinique? Tu parles de quoi? Expliquer l'importance d'augmenter la taille de son réseau et qu'on ne doit pas la limiter à ses proches. Et en fait, une des bases du Social Selling, c'est d'augmenter la capacité d'être recommandé, même de manière faible, par des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Voilà. Absolument. Vous êtes d'accord, messieurs, dames? Oui, complètement. Voilà, non. C'était une clinique. C'est une clinique quoi? Personal branding ou LinkedIn? Les deux, en fait. Les deux, voilà. Bon, à tout à l'heure. Bon, on va aller voir un peu comment ça se passe dans les ateliers. Alors là, il y a un premier atelier qui est l'atelier pour les commerciaux. On va rentrer rapidement. Une stratégie de réflexion, de regarder comment les autres communiquent, de liker, de commenter. Mais le plus important, au-delà de la stratégie, c'est comment vous allez vous présenter. Voilà, ça c'est l'atelier des commerciaux. Comment maîtriser le social selling. À côté, on a un atelier marketeur, dans lequel il y a pas mal de monde aussi d'ailleurs, ce matin, qui essaie de voir comment les marketeurs vont alimenter le social selling et aider les commerciaux. Finalement, on propose quelque chose de plus large que le simple logiciel pour aider nos prospects. Donc on a travaillé sur les supports, on a construit des ateliers. Mais bien sûr, tous nos supports, il faut les mettre en ligne. Voilà, voilà, ça c'était l'atelier pour les marketeurs. Donc on va continuer, on va terminer par le troisième atelier, qui est l'atelier dirigeant. Ce qui apporte de l'intérêt dans l'audience, et ça peut être vos patients. Tu as le micro? Ah, voilà, merci. Alors moi, en fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Chloé et ses 30 000 followers. Je voulais juste témoigner du fait que donc moi, le social selling, je suis convaincue à 100%, pour preuve, c'est que j'en ai quasiment fait mon métier. Et en fait, aujourd'hui, sur une page LinkedIn, je vois que c'était l'atelier dirigeant. Alors, je ne sais pas s'il parle vraiment en tant que dirigeant avec des dirigeants, parce que je sentais une marketeuse, mais en tout cas, voilà. Donc, oh, nous avons notre ami Benoît qui vient de faire une petite photo ici. Et Benoît, c'est bon? C'est bon, Benoît? C'est... Voilà. Il y a à peu près 150, 160 personnes qui sont déjà arrivées ce matin, donc au Social Selling Forum Bordeaux. Voilà, madame qui vient d'arriver. Bonjour madame, vous venez chercher quoi au Social Selling Forum vous-même? Là, vous êtes la dernière arrivée, là. Qu'est-ce que vous venez chercher? Ah oui, pas de chance, vous êtes interviewée en plus, là. Ben, oui, vous êtes interviewée. Apprendre de nouvelles méthodes, de nouvelles mettre méthodes à la page, voilà, au bout du jour, et puis arriver aussi à capter nos clients, nos prospects. D'accord. Vous êtes plutôt marketeuse, vendeuse ou dirigeante? Marketeuse. Ben, il y a l'atelier marketing, là, qui ben a voilà, commencé. Voilà, j'ai deux secondes. Allez-y. Bon, à bientôt, hein. Je vous laisse. Allez.